J'accueille à présent, comme chaque lundi dans ce studio, nos confrères d'Acadème, la plateforme culturelle du FSJU. Bonjour Elisheva Gottfarstein. Bonjour. Bonjour Youssef Mourciano. Bonjour. Vous êtes tous les deux journalistes sur Acadème, hein, le campus numérique juif. Alors, à la une d'Acadème cette semaine, sans surprise, c'est bien sûr... L'actualité politique qui domine depuis cette dissolution de l'Assemblée annoncée par Emmanuel Macron, à hein, une dissolution qui a pris tout le monde de court, avec cette question, Elie gottfarstein qui nous préoccupe tous. Quid des Français juifs pris en tenaille entre l'extrême droite d'un côté avec le Rassemblement national et l'extrême gauche de l'autre, ce bloc de gauche, ce nouveau front populaire avec une présence très affirmée, très incarnée de la France insoumise Oui, tout à fait. Je veux vous parler de cet étau dans lequel sont pris les juifs actuellement. Comme vous le rappeliez, depuis l'annonce de la dissolution, eh bien, les alliances se créent, les unions se tissent, se construisent, et face à ces reconstructions, eh bien, les Juifs se sentent bien seuls, ils sont dans un désarroi absolu. D'un côté, il y a le parti du Rassemblement national, donc l'extrême droite, qui pourrait accéder au pouvoir. Je rappelle que ce sont les héritiers de Vichy, les persécuteurs historiques des Juifs, donc les persécuteurs de nos parents, de nos grands-parents. Et de l'autre, eh un Front populaire qui se crée avec un parti dont les dirigeants et certains membres se sont distingués depuis le 7 octobre par un antisémitisme furieux. Et euh, on peut souligner d'ailleurs cette ironie de voir se former une union de la gauche derrière une référence juive. Je pense bien sûr au socialiste Léon Blum, après que la gauche ait autant maltraité les juifs. Ces derniers mois, et mon collègue Yosef Murciano en dira un mot dans un instant. Donc nous sommes là face à une situation redoutable. Et nous nous sommes posé la question, donc que pouvons-nous faire à Academ Que pouvons-nous faire en tant que rédaction face à cette situation Eh bien, le premier réflexe, avant tout, eh c'est d'aller puiser dans nos archives, hein, puisque nous aimons dire que nous sommes l'INA du judaïsme. Eh bien, dans une situation pareille, nous sommes allés chercher des contenus qui nous permettraient de penser l'actualité, qui pourraient nous donner des outils conceptuels, historiques, pour essayer, essayer d'y voir plus clair l'urgence la première c'est la forte probabilité de voir se former un gouvernement d'extrême droite d'extrême droite pardon. Donc sur notre page d'accueil eh vous pourrez trouver une vingtaine d'émissions sur euh, la menace que représente l'extrême droite pour les juifs ce sont des entretiens des chroniques des conférences des colloques même. Euh, voilà, vous trouverez tout ça sur la page d'accueil. Et dans notre newsletter hebdomadaire, je rappelle que vous pouvez vous y abonner, eh bien, nous avons opéré une sélection parmi ces contenus et nous avons mis en avant notamment une chronique de Yannis Roder qui détaille tous les moments antisémites de Jean-Marie Le Pen. Évidemment, ce n'est pas lui qui risque d'arriver au pouvoir, évidemment. Mais étant donné que le candidat du Rassemblement national, Jordan Bardella, s'est amusé à relativiser, voire à dénier l'antisémitisme du, du père fondateur, eh bien nous nous sommes dit qu'il n'était pas inutile de rappeler quel était l'ADN de ce parti. Et en regard euh, donc de cette chronique, eh bien nous avons proposé une conférence d'une anthropologue sur la trajectoire politique de Marine Le Pen. Et cette conférence est très intéressante car elle montre comment Marine Le Pen a poursuivi et réinvesti le programme de son père tout en le recouvrant, bien sûr, d'un vernis républicain qui lui donne une apparente respectabilité. Et on écoute un extrait. Donc elle s'inscrit là dans la continuité du positionnement frontiste. Et d'ailleurs, elle ne cesse de le répéter dès qu'elle en a l'occasion et de dire, le FN de demain ressemblera à ce qu'il a été depuis longtemps. Dans son autobiographie qu'elle a écrite en 2006, elle dit, Il ne s'agit pas d'abandonner nos idées, mais de faire un effort sur la forme. Et interrogée en janvier 2011 par Retz, sur les différences entre son père et elle, elle répond ⁇ Aujourd'hui, tout le monde découvre, avec beaucoup de retard, que notre programme dans sa totalité était déjà parfaitement justifié quand nous l'avons rédigé il y a 30 ans. Il n'y a donc aucune raison que nous en changions. Puisque nous avons eu raison, pourquoi devrions-nous changer d'orientation donc, il y a non seulement une continuité avec le programme, avec les idées et avec la famille d'extrême droite, mais il y a aussi une totale adhésion avec son fondateur. Voilà, donc cet anthropologue, Emmanuel Joda, euh, montre bien ce qui fait rupture et ce qui fait continuité dans la trajectoire politique de Marine Le Pen. Et j'aimerais terminer sur un point qui me semble important et qui me semble représenter la problématique actuelle euh, des Juifs de France. Nous avons. Proposer ces contenus qui sont donc des archives. Cette conférence-là qu'on écoutait à l'instant, c'est une conférence qui date de 2012. Et donc, nous proposons ces archives, nous les remontons au vu du contexte. Et nous avons reçu deux sortes de courriers de lecteurs. Euh, la première sorte qui nous reproche de pointer le danger que représente le Rassemblement National et de rester silencieux sur celui que représente une alliance avec l'AFI. Alors même que nous avons réalisé ces derniers mois un nombre Considérable d'émissions à ce sujet. Et je pense notamment à un entretien qui a beaucoup circulé avec l'historien Tal Brutman, qui pointe avec précision euh, l'antisémitisme de Jean-Luc Mélenchon. Et de l'autre côté, d'autres courriers qui nous reprochent de dénoncer l'antisémitisme qui gangrène actuellement la gauche, alors que la menace du Rassemblement national n'a jamais été aussi forte. Et il me semble que ces deux sortes de courriers contradictoires que nous recevons, eh bien, reflète une sorte, à mon sens, de nervosité juive qui est due à cet étau dont je parlais au début et qui place les juifs dans une situation impossible, dans une impasse, dans une forme d'intranquillité permanente. Et notre rôle en tant que médias, eh c'est de diagnostiquer ce panorama dans lequel les juifs sont considérés comme un objet négligeable. Merci Elisheva Gottferstein pour cet éclairage très utile et précis hein, sur cette extrême droite, hein, le Rassemblement national aux portes donc du pouvoir. Je me tourne vers vous, Yosef Murciano, de l'autre côté de l'échiquier politique. Toujours dans la perspective de ces élections législatives anticipées, les partis de gauche ont formé ce qu'ils ont nommé le nouveau. Front populaire, c'est une référence bien sûr à Léon Blum, président du Conseil en 1936, illustre personnage de l'histoire de notre pays et sur lequel vous avez choisi de revenir, Yosef. Oui, depuis hier soir, 18h, le délai de dépôt de candidature aux élections législatives est terminé. Les alliances sont signées, scellées, et le nom de nouveau Front populaire est dans toutes les bouches. Alors forcément, ce nom y résonne curieusement à nos oreilles, tant l'objet politique qui a été inventé et incarné par Léon Blum semble trahi par son clone 2024 à la sauce insoumise. Mais au-delà des impressions de résonance, au-delà de cette puce à l'oreille, de cette intuition que quelque chose cloche, pourquoi le nom de l'Alliance des partis de gauche révolte-t-il autant en 2021, Avishak Zafrani recevait sur Academ Milo lévi brulle et Frédéric Salah-Barou pour parler de deux livres qu'ils écrivaient sur le sujet et sur la personne de Léon Blum. Au détour d'une discussion sur son socialisme, voilà ce qu'on pouvait y apprendre. L'affaire Dreyfus euh, concentre quand même pour Blum euh, quelque chose d'un échec de l'État républicain. De n'avoir pas su euh, euh, bon, déjà protéger Dreyfus une fois qu'on savait qu'il était innocent, mais même avant ça de, de, de l'avoir condamné à tort. Et du coup, il y a chez Blum, c'est très clair dans les nouvelles conversations de Goethe avec Eckermann, euh, l'idée, évidemment euh, idéale, mais, mais, mais ça, qui rejoint son socialisme, que euh, le peuple, le prolétariat, va être plus à même de défendre les juifs contre l'antisémitisme que l'État. Et donc, c'est très. Euh, alors, il l'écrit en toutes lettres. Euh, le, l'engagement le, socialiste est aussi un prolongement du combat contre l'antisémitisme. Avec l'État. Avec l'État républicain. Ça, c'est très intéressant. L'État voilà. républicain a pu faillir et ouais. donc il a besoin du soutien. Et c'est pour ça que la figure de Jaurès est très importante parce que Jaurès, c'est celui. celui qui engage les socialistes euh, en soutien de l'État républicain. Il dit au moment de l'affaire Dreyfus, euh, ouais. On va s'allier avec les républicains contre Gued, contre d'autres socialistes qui, qui ont pu y être opposés, euh, pour rappeler à la République quel doit être son idéal. Bah, C'est un point de bascule extrême. C'est-à-dire qu'avant ça, et, et Jaurès compris, euh, on est quand même dans un socialisme antisémite euh, extrêmement Complut. fort. Complut. Et donc, lui, au contraire, Jaurès, qui au début considérait que c'était dommage qu'on ne puisse pas infliger la peine de mort à Dreyfus, Va basculer autour de 1898 et va entraîner une, par, une grande partie du mouvement socialiste. Guette, d'ailleurs, même s'il ne l'a pas dit, était assez proche de considérer qu'il fallait aussi être Dreyfusard. Donc c'est là, il y a un moment de bascule qui est vraiment important. Bah, je pense que l'on touche ici le cœur de ce qui nous révolte, de ce qui nous dérange dans le revival du Front Populaire. Le socialisme, celui des Dreyfusards et de Léon Blum, il se crée, il se construit et il se structure en lutte contre l'antisémitisme. Cette lutte-là, c'est l'identité même du socialisme à la française. Plus encore, le mouvement Front Populaire lui-même s'invente et se crée à la suite d'attentats antisémites contre l'antisémitisme des ligues fascistes. Et voilà la dissonance. Depuis le 7 octobre, la vie publique française s'est vue saturée d'un antisémitisme issu de certains milieux de gauche presque martelant. Des premiers soutiens à la résistance du NPA jusqu'à l'antisémitisme résiduel de Jean-Luc Mélenchon, neuf mois se sont écoulés. L'idée même que le socialisme français, sans, de... sans devenir lui-même antisémite, en vienne à tolérer l'antisémitisme de ses alliés et accepte de remuer le drapeau de Léon Blum, c'est-à-dire de ne pas mettre au centre de son programme la lutte contre l'antisémitisme, voilà ce qui est dérangeant. Pour en savoir plus sur Léon Blum et réintroduire une perspective historique aux événements des derniers jours, je vous donne rendez-vous sur academ.org merci joseph merciano merci également à vous Eli Sheva gottferstein tous ces contenus et ces analyses sont bien sûr vous l'avez dit à retrouver en intégralité sur le site internet d'académieacadémie.org. Oh.